je m'appelle Fiona. J'ai passé une semaine en chantier bénévole, donc à Château-sur-Epte. Moi, je suis passionnée de patrimoine, architecture, et c'est pour ça que j'ai fait des études aussi dans ce domaine-là et dans le domaine de la sécurité. Le lieu, il a une histoire qui est ancrée dans la naissance même du duché de Normandie. En 1097, Guillaume le Roux fait construire ici une fortification imposante. Et aujourd'hui, notre association est là avec justement les différents jeunes qui nous accompagnent en chantier, les partenaires, les mécènes, pour venir faire revivre le site, le restaurer intégralement. Ça fait maintenant 5 ans. On a créé en fait cette action chantier bénévole. Donc c'est une action qui revient chaque année au mois d'août où on emmène en fait pendant 7 jours les jeunes pour travailler sur leurs compétences professionnelles et les aptitudes. Donc tout ce qui va être un peu annexe aussi à l'emploi. Ça peut être pour des découvertes métiers, ça peut être pour de la confirmation de projets professionnels, ça peut être aussi pour reprendre un rythme et prendre confiance en soi, se sentir un peu utile, sortir de son quotidien. Nettoyer la tour porte, on a tamisé la terre pour voir si on trouvait des éléments intéressants. Tu as attiré par l'artisanat et l'artisanat d'art. Donc pour moi, c'était une belle occasion de me tester sur des activités manuelles aussi. Et puis j'aime bien les sports de plein air, donc le fait de vivre à l'extérieur en tente, ça m'a attiré aussi. On a fait de la maçonnerie traditionnelle, donc d'abord on a appris à monter un mur, fabriquer du mortier. Dans le fait de faire de la maçonnerie traditionnelle, ce qui m'a plu, c'est de travailler sur un patrimoine qui est classé. C'est de faire une activité manuelle, une forme d'artisanat, mais sur un bâtiment qui demande des techniques particulières. Et oui, j'envisage de m'investir dans une association, pourquoi pas celle qui nous a accueillis pendant le chantier bénévole, quoi.